President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. And the floor is given to lit court lawyers for civil parties to put questions to the expert. You may now proceed. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je dois en avoir pour une quinzaine de minutes. Monsieur l'expert, pour revenir aux déclarations de Nunchia en 2013 devant cette salle d'audience, et le fait de considérer encore aujourd'hui que les agents infiltrés par les Vietnamiens et les Américains sont responsables de ce qui s'est passé pendant le régime du Kampuchea démocratique et ont trahi la révolution. And betrayed the revolution. J'aimerais vos lumières, en quelque sorte, like vous avez étudié la culture politique. Get your feedback de ces on this. You studied the political culture of these Marxist-Leninist regimes. So is there an incapacity, an intrinsic incapacity in these regimes de se remettre en question, to question de se dire themselves qu'on s'est trompé, and to say that maybe they went down the wrong path? And is there always a systematic recourse to the échecs. Enemy to explain one's failures? Is the enemy always used as an excuse to explain one's failures? Yes, that's true. Réponse. Oui, c'est exact. I'd like to point out that j'aimerais indiquer Nunchia has used the example of the Americans que Nunchia a utilisé l'exemple des Américains qui ont envoyé des agents pour pénétrer et s'infiltrer à l'intérieur du parti. Sympathetic to the United C'était States, quelqu'un, one wishes that the ou plutôt Americans en tant que quelqu'un capacity. Qui est sympathisant des Américains, on aurait bien aimé avoir cette capacité, mais à l'époque de la guerre du Vietnam, pas une seule fois n'ont-ils réussi à pénétrer aux échelons du parti communiste, et ce, en dépit des 20 années qu'ils ont eu à disposition pour se préparer et pour organiser ce type d'infiltration. Jamais ils n'ont réussi à pénétrer le parti communiste vietnamien, et pourtant, ils avaient des alliés vietnamiens très actifs qui travaillaient avec eux. Alors comment auraient-ils pu s'infiltrer dans le Cambodge dès lors que leur implication au Cambodge était si limitée, même pendant la guerre? Ils n'avaient aucune ressource. Les Américains sont tout simplement incapables de faire une telle chose, it, même s'ils aimeraient bien. They do not have the capacity. Ils n'ont tout simplement they pas la capacité pour se faire. Ils n'ont pas fait montre de la capacité à s'infiltrer dans un État révolutionnaire, pénétrer un État révolutionnaire. You know, the explanation, je as pense you say, que l'explication, comme vous of, le dites, of what went wrong in democratic Kampuchea, qui permet d'expliquer ce is to, qui is s'est mal passé au Cambodge, c'est influencing local que l'on cadres, a blâmé des ennemis étrangers en influençant des cadres locaux, does reflect an inability to question ce qui trahit une inaptitude à se remettre, à remettre son propre jugement en cause. Talk about criticism and self-criticism on parle, il y a the Maoist ideology. De la critique, there's very little de capacity of the top leader to criticize himself. Mao, mais effectivement, les hauts dirigeants ont une capacité très limitée à se remettre en question. Je vous remercie. Nous avons évoqué dans cette Thank audience you. Sao Pim. During the hearings, vous en parlez we refer to dans Sao Pim. Dans votre ouvrage. You talk about him in your book. On évoque un détail qui, si je ne me trompe pas, n'a pas encore été évoqué lors de which, cette audience. If I'm not mistaken, has je not suis yet aux pages 109 hearings, et 110 de votre ouvrage, 109 and 110, aux IRN 01001776 et 1777. Les efforts de Ledouane Ledouane trouver leur homme, en quelque sorte. Le nom de Sao Pim est évoqué et vous indiquez ceci dans votre ouvrage. Le fait que Ledouane ait indiqué que le Parti communiste vietnamien avait essayé d'établir contact avec Sao Pim alors que cette personne était déjà décédée depuis 3 mois, ce qui, selon vous, si je comprends bien votre thèse, montrait qu'il n'y avait pas de contact préexistant entre Sao Pim et les Vietnamiens avant son suicide. Pouvez-vous expliquer à la Cour cet événement, ce que vous rapportez dans votre ouvrage? Thank you.
Yes, well, I mean, I brought this up as an example of the inability of the Vietnamese to know what was actually going on in Cambodia. La capacité des Vietnamiens à savoir ce qui se passait au Cambodge, même s'ils ont essayé de... puisqu'ils ont essayé de contacter Sao Pim bien longtemps après que celui-ci soit mort, et comme c'est... And my personal friend, comme dans l'exemple de Nguyen Chea, qui est notre, notre homme, a lack of competence in what was going on in Democratic Cambodia. Un exemple du manque de compétence quant à savoir ce qu'il se passait au Cambodge démocratique. C'était un régime qui pourtant savait tout et était tout à fait capable. Je vous remercie. Nous avons parlé des... Thank you. Des coups, des conspirations pendant ces trois jours d'audience, et je voulais à nouveau vous faire réagir à des propos tenus par Nguyen Chea, par le truchement de ses avocats dans les écritures que nous recevons de la part de toutes les parties dans ce procès, et vous faire réagir à la théorie de Nguyen Chea par rapport aux crimes de persécution politique qui sont intrinsèques aux purges. Et nous avons dans ce procès des crimes de persécution politique liés à trois centres de sécurité. Et je voulais vous lire ce que pense Nguyen Chea de ces crimes, et il dit ceci, donc c'est un mémoire de ses conseils, E395-2, ERM01-25-1288, c'est le paragraphe 27, et sur ces crimes potentiels allégués de persécution politique, les conseils de Nguyen Chea disent ceci, en parlant des tentatives de coup. This would demonstrate acts of aggression. This would demonstrate that a substantial number of people were not at all persecuted on the basis of real or perceived political beliefs, but instead because of legitimate suspicions of their involvement in the grave crime of treason, including through preparatory acts, attempts at rebellion, and acts of sabotage. It is the defense position that such evidence would at least partially absolve Nguyen Chea of responsibility for this charge. Dédouanerait partiellement Nguyen Chea de la responsabilité eu égard à ce crime. Je voudrais vous citer un deuxième extrait de ce mémoire déposé par les avocats de Nguyen Chea, toujours E395-2, dans lequel les avocats présentent la stratégie de défense de Nguyen Chea et indique ceci. Defense strategy for defending Nguyen Chea, and this is what they state in English. It is the defense case that it was the leaders of the treasonous rebellion who were responsible for death and other criminal acts in areas under their control. Actes criminels qui ont eu lieu dans les régions que eux-mêmes contrôlaient. Même question finalement que tout à l'heure. Qu'est-ce que cette stratégie de défense qui finalement n'a pas changé d'un pouce depuis près de 40 ans peut nous dire de la capacité des dirigeants du Cambodge démocratique à se remettre en cause? Democratic Cambodia to question themselves, to question what they did. President, Mr. Eastwood, please hold on. You may now proceed, Copper. Yes, thank you, Mr. President. Maître Copper, je vous remercie, Monsieur le Président. Very interesting questions, and I think voilà des questions fort intéressantes. Je crois que c'est la première fois que j'entends dans ce prétoire. Defense position is being put before. Que la position a witness or an expert, de la défense est présentée à un témoin ou un expert.
I'm not sure if that's entirely appropriate to do so. Je ne suis pas certain qu'il soit parfaitement approprié de procéder ainsi. How to respond to this, but what is more important, je suis encore en train de réfléchir à comment réagir à cela, mais ce qui me semble vraiment important, et c'est véritablement l'observation qui me conduit à une objection, c'est que ces conclusions reposent we believe a wealth of evidence un large corpus d'éléments de preuve, à notre avis, qui tente à démontrer une tentative de coup d'État. On se fonde sur les témoins qui sont venus dans ce prétoire, ce qui a été fait par Robert Lemkin et également des documents de l'époque. Donc il ne serait que juste de présenter aux témoins experts les sources sous-jacentes plutôt que les conclusions qui ont été faites par la défense sur la base même de ces sources. Je retire ma question, Monsieur le Président. Je pense que l'objection était aussi intéressante peut-être que la question de l'expert, si je peux, me permettre ce commentaire. J'ai juste cinq minutes de questions sur ce que vous dénommez vous-même hyper-maoïsme. To put questions to you regarding what you refer to yourself et dans votre ouvrage, à la page 17-01-001-686, vous semblez lier ce concept d'hyper-maoïsme, le désir du PCK d'aller plus vite et de faire mieux que les Chinois, à un sens d'infériorité et à un sentiment d'infériorité des Cambodgiens. Est-ce que vous pouvez, est-ce que j'ai bien compris votre thèse, et pouvez-vous un petit peu expliquer à la Chambre ce que vous avez, vous entendez par ce lien que vous faites entre le sentiment d'infériorité et la nécessité de faire toujours plus et plus vite. Feeling of inferiority and the need to always go further and to do better. Yes, that's réponse. Why that's what I attributed to what I called hyper-Maoism, oui, c'est ce que j'ai attribué à ce que j'ai appelé l'hyper-maoïsme, qui est une forme extrême de maoïsme. And, accelerated in its pace, un maoïsme accéléré et concentré short period of time. Des laps de temps bref. Je pense que les Cambodgiens ont toujours souffert from their relationship with Vietnam, de leur relation avec le Vietnam. And the sense that the Vietnamese looked down upon them. Ont toujours eu le sentiment que les Vietnamiens les regardaient avec condescendance. I think that they certainly deferred to Mao Zedong. Je pense qu'ils s'en remettaient à Mao Zedong et à Kim Il-sung. Qu'il y avait une certaine déférence vis-à-vis de ces deux personnes, mais je pense qu'ils croyaient devoir faire leurs preuves, montrer leur authenticité, prouver qu'ils étaient de grands communistes, et ce, en faisant ce que Mao avait fait, mais plus vite encore, in a much more concentrated way. Et de façon Cambodia also plus concentrée. Suffers from the fact that le Cambodge souffre également du fait que c'est un petit pays et que la plupart des petits pays ont un sentiment d'infériorité vis-à-vis de pays plus grands et donc ils se retrouvent dans des relations de concurrence. Shall we say, ideological movements, mais there is always this sense dans les mouvements of trying idéologiques, il y a toujours cette volonté d'être plus pur que l'autre, de prouver sa pureté morale. Et je pense que cela permet d'expliquer dans une grande mesure ce qu'il s'est passé au Kampuchea démocratique. J'utilise ici le terme moral pour reprendre leurs mots et non pas les miens propres. Je vous remercie et ce sera ma dernière question. Thank you, and this will be Voyez-vous my last question. Un lien entre la rapidité avec laquelle le projet révolutionnaire a été mené au Kampuchea démocratique was carried out in et democratic les crimes allégués qui occupent cette chambre dans ce procès? Which are the crimes this trial or the chamber has to consider in this trial? Yes, I agree. I think that there is oui, je suis d'accord. A relationship. Je pense qu'il existe the attempt to eliminate un lien. All
essayer d'éliminer toutes les classes sociales distinctes, toutes les strates sociales, l'élimination de la différence au sein de la société, des différences, c'est-à-dire politiques, culturelles ou économiques, élimination de toutes ces différences pour créer une société monolithe, goes a long way to explaining why permet things were done the en way grande they partie did. D'expliquer example, pourquoi les choses ont eu lieu de la façon dont elles ont eu lieu. When I say hyper-Maoism, there was lorsque very je little parle d'hypermaoïsme, il y a peu d'exemples de rééducation. Le concept Chinese, de la rééducation ideological remolding chinois, c'est-à-dire in le refaçonnage idéologique au Kampuchea démocratique, c'était davantage l'ennemi a été attrapé, on ne peut pas lui pardonner, il faut donc l'éliminer. Et le terme qui a été utilisé a été écrasé immédiatement. D'où la précipitation, ou ça, plutôt ça fait partie de la précipitation pour donner corps à l'utopie communiste. Je vous remercie, monsieur l'expert, pour vos réponses. Thank merci, you, monsieur Mr. Expert, for your answers. Thank you, Mr. President. I am done. Président, je vous remercie. And now the chamber gives the floor to the defense team for Mr. Kyusampong. La chambre donne à présent la parole à l'équipe de défense de Kyusampong qui va interroger l'expert. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Maurice. Good je m'appelle Anta Guissé, je suis co-avocat international à côté de mon confrère Kim Samon de M. Kyusampong et je vais poser des questions complémentaires. Un certain nombre de choses ont déjà été abordées sur lesquelles je reviendrai pour certaines précisions et également voir quelques documents avec vous. Look at a few documents tout d'abord, je voudrais revenir sur vos recherches dans les archives soviétiques par rapport à votre ouvrage. In relation to your book, est-ce que il est juste de dire que c'est le point le plus important, enfin les sources les plus importantes de la rédaction de votre ouvrage, ces archives soviétiques? That you used in writing your book are the Soviet archives. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Dans le cadre de ces archives soviétiques, vous avez expliqué que vous avez eu une chance formidable d'accéder à une masse de documents et que vous aviez un index qui vous permettait de vous retrouver dans les documents qui vous intéressaient. Je voudrais savoir si parmi ces documents, il y avait des documents qui évoquaient des discussions directes entre des membres de la diplomatie russe ou autres personnes, des discussions directes avec des gens du Kampuchea démocratique. You're asking me if I ce que vous me demandez, evidence of documents, c'est si j'ai trouvé between des officials dans les documents of which country des éléments and de Democratic preuve Kampuchea? Qui entre les discussions entre le Kampuchea démocratique et quel pays, c'est ça que vous voulez savoir? Vous avez expliqué que vous avez, dans le cadre de ces archives, eu des rapports diplomatiques de l'Union soviétique de l'époque. Ma question était de savoir, dans ces rapports, est-ce qu'il y avait des éléments sur des discussions, quels que soient les interlocuteurs, du côté russe et du côté du Kampuchea démocratique? Est-ce qu'il y avait des éléments directs ou est-ce que c'était toujours des rapports effectués par le Vietnam ou d'autres personnes? Vietnam and other persons in Cambodia? I have no record of discussions between Russian officials of the former Soviet Union and Democratic Kampuchea. Only conversations between officials of the former Soviet Union and the leadership of Vietnam. Et les dirigeants du Vietnam. Donc, si je comprends bien, lorsque vous utilisez ces archives pour rapporter l'éventuelle position du Kampuchea démocratique, c'est ce que dit le Vietnam de la position du Kampuchea démocratique aux autorités soviétiques. C'est bien ça. Authorities, is that correct?
Yes, I was only using those documents. Oui, je n'ai utilisé ces documents. What the Vietnamese perceived to be the situation que par rapport à ce que les Vietnamiens percevaient de la situation au Kampuchea, ce qui n'était pas forcément la réalité. Comme je l'ai dit au cours de mon témoignage, je ne pense pas que les Vietnamiens comprenaient pleinement quelle était la situation à l'intérieur du Kampuchea démocratique. Ils ne comprenaient pas, à mon avis, non plus la véritable attitude des dirigeants du Kampuchea démocratique. Et ma question sera la même sur la période avant le Kampuchea démocratique. Nous savons qu'il y avait eu des rapports évidents entre le Vietnam et ceux qui allaient devenir les leaders du Kampuchea démocratique. Est-ce que durant cette période également, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'Union soviétique avait des éléments uniquement en fonction de ce que disait le Vietnam par rapport à ses leaders, en tout cas ses révolutionnaires, en tout cas pendant la période de 70-75. The Soviets only had information from oui, the les Vietnamese Soviétiques n'avaient les informations que de la partie However, vietnamienne par rapport à ce qu'il se passait en 1975, mais il y avait des documents qui avaient été pris de l'époque de la guerre pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur du Cambodge entre 1970 et 1975, c'est-à-dire des documents qui avaient été saisis par les États-Unis et non pas des documents qui se trouvent dans les archives soviétiques. Je vais revenir sur cette période un petit peu avant 75, mais pour rebondir sur une remarque que vous aviez faite hier répondant à mon confrère Copé sur la question de la critique de Chandler sur, sur votre ouvrage. Vous avez indiqué que, comme beaucoup de critiques sur votre ouvrage, il y a beaucoup d'historiens, et je vous cite, c'était hier, avant-hier plus exactement, un petit peu après 14h19, vous dites, comme beaucoup d'historiens qui ont fait une critique de mon ouvrage, leur critique n'était pas relative à l'histoire, mais à ma science politique, ce que je trouve plutôt ironique, et que l'irrationalité était au centre. Mon argument selon lequel l'irrationalité était au centre du conflit indochinois plutôt que la solidité et la véracité de mes assertions factuelles. Fin de citation. Je voulais vous rappeler vos déclarations pour maintenant citer un passage de la critique de Chandler par rapport à votre ouvrage. Et voilà ce qu'il dit notamment. Donc c'est le document E3/107-03. Et c'est à l'URN en anglais uniquement 01-33-5287. Donc il prend deux exemples, à la page 68 et à la page 72 de votre ouvrage, et vous allez comprendre à quoi il fait référence, et je précise que je vais citer en anglais. On page 68 and elsewhere, page 68 Maurice lambasted the Khmer Rouge for their bracket unrealistic and bracket irrational foreign relations, ils avaient des relations but fails étrangères, to suggest what a sensible policy toward Vietnam might have been, aside from succumbing to Vietnamese patronage and demands. Vietnam itself, in any case, soon embarked on a similarly bracket irrational policy toward China, drawing less on Marxist-Leninist quarrels or paranoia, as Murray seems to suggest, than on perceptions of threats to sovereignty based in part on historical-cultural considerations. On page 72, Morris claims that there is bracket little independent evidence
that the Thai and Vietnamese were attacking Cambodia in 1976. In fact, a mass of Khmer Rouge documents that deal with national defense have surfaced in Phnom Penh since Maurice completed his research. These materials suggest that from 70 onward, frequent skirmishes along Cambodia's borders, initiated by Thai, Vietnamese, and Khmer forces, and probably springing from trigger happiness in many cases, helped to intensify Pol Pot's belief that Cambodia was surrounded by enemies. Pol Pot dans End of sa quote. Croyance qu'il était entouré d'ennemis. Cette longue citation de la critique, enfin, la revue, on va dire, de Chandler de votre ouvrage, pour indiquer plus précisément que la critique qu'il oppose à votre ouvrage n'est pas tant cette analyse approfondie des archives soviétiques, mais plutôt le fait que, c'est votre source essentielle pour la position des uns et des autres, qu'en n'ayant pas du tout incorporé des éléments contemporains du côté du Kampuchea démocratique, qui vous manque peut-être un pan d'information pour avoir une vision peut-être plus complète et plus nuancée. Donc, est-ce que vous voulez réagir à cette partie de la critique de Chandler, et est-ce que vous ne voyez pas un problème dans le fait que c'est un problème, c'est l'époque où vous avez écrit votre ouvrage, mais il n'y a pas eu de réactualisation par rapport aux autres éléments qui auraient pu être trouvés par la suite. As well regarding other elements that might have been found later on. Mon confrère m'indique que j'ai fait une erreur dans la citation en citant la date de 70 au lieu de 76, donc je parlais bien de 76. So I was indeed speaking about 1976 here, if there was a bit of confusion here. Yes, well, I won't apologize for not having read documents which surfaced after my book was completed. Les documents qui sont apparus après la fin de mon ouvrage. Sorry that I did not have the opportunity to read these documents before I completed my book. Avant d'achever mon I would livre. Like very much to see these documents J'aimerais beaucoup and voir to ces documents. Evaluate them et les évaluer. And to try and determine whether they pour reflected de voir the reality of the situation on the ground. La réalité de la situation in, sur le terrain. Cambodia, Thailand and Vietnam. Au Cambodge, en Thaïlande et au Vietnam. That would be my response. Voilà ma réponse. Mr. Chandler's comment. Ma réaction au commentaire de Monsieur Chandler. One has to be careful, of course, in using documents. It depends what these documents are. Faire attention quand on utilise de nouveaux documents. Tout dépend de leur nature. Et je ne connais pas la réponse à la question. Peut-être que vous l'avez. Peut-être que vous savez de quel type de documents il s'agit. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Je comprends bien que ce n'est pas en l'espace de court temps de notre déposition que nous allons pouvoir vous ouvrir de l'intégralité des documents que nous avons, mais je voulais juste avoir votre réaction par rapport à ça, et vous avez répondu, et j'en prends acte. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, et qui me semble intéressant par rapport à votre expertise, vous avez beaucoup parlé des régimes marxistes-léninistes, vous avez parlé de paranoïa. Paranoia. Et moi, je voudrais spécifiquement vous demander si cette paranoïa n'était pas inhérente aussi à cette période particulière qui était la guerre froide. Which was the Cold War. Donc, ma première question est donc de savoir si, pendant la période de la guerre froide, tant en ce qui concerne
la manière dont les informations étaient obtenues, que dans les alliances stratégiques qu'il pouvait y avoir, est-ce que ce n'était pas une période très particulière, que ce soit pour le Vietnam, que ce soit pour l'Union soviétique, mais également pour le Cambodge. Yes, it was a special period. Ça a été une période spéciale. Not everybody behaved, mais reacted to it in a paranoid way. N'a pas agi ou n'a pas réagi de façon paranoïaque. Explain why the claims of conspiracy, s'agissant du pourquoi, not credible, leur idée qu'il y avait prétendument une conspiration n'était pas crédible. With the civil party. Au cours de l'interrogatoire par la partie civile, eh bien, les conspirations attribuées aux ennemis du régime mettaient en jeu une collaboration entre pays et institutions qui n'avaient pas de lien entre eux et qui, au contraire, étaient des adversaires, CIA et KGB. D'où ma conclusion, à savoir qu'une bonne partie de ces informations selon quoi il y avait une conspiration relève de la paranoïaque. Il n'est pas crédible d'affirmer que la CIA, le KGB, coopéraient au nom de leurs pays respectifs pour renverser le gouvernement du KD. Sur cette question des périodes particulières et de la gestion de l'information, je vous ai posé tout à l'heure une question sur quelles étaient les sources de l'Union soviétique en termes d'information, et vous m'avez sur le Kampuchea démocratique et avant sur le mouvement révolutionnaire, et vous m'avez indiqué que c'était essentiellement au Vietnam, et comme vous avez également indiqué avoir travaillé avec que je me prononce bien son nom, avec Monsieur Dmitri Mouziakov. Je voulais voir avec vous un passage d'un document qu'il a écrit à l'attention de la Chambre et des Partis. C'est le document E3/96944. Et ça commence. Le passage que je vais citer se trouve à l'URN en français 0-1-1-2-5-3-1-1, en anglais 0-1-0-8-5-9-8-3, et en khmer 0-1-1-2-0-0-8-4. Ça laisse le temps aux parties de chercher, et avant de faire cette citation, une question préalable. Est-ce que, dans le cadre des archives que vous avez consultées, vous vous souvenez d'éléments ou de conversations particulières dans les rapports que vous avez vus, ayant trait à une volonté de l'Union soviétique de rencontrer les dirigeants du mouvement Khmer Rouge. Of the Khmer Rouge movement. No, I did not. Non. Alors, donc, dans ce document que je vais donc citer maintenant, which I'm going to quote from right now, Monsieur Mouziakov évoque une conversation qui a lieu en avril 1974 entre l'ambassadeur soviétique et Phan Van Dong. I'm sorry, I'm at the wrong page. L'ambassadeur soviétique between the Soviet ambassador et
Hong Van Thien, vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Vietnam, en avril 1974, où l'ambassadeur demande à rencontrer Khieu Samphan, qu'il pense Samphan, être le dirigeant du mouvement. Et au passage que j'ai cité préalablement, voilà ce qui est indiqué. Un petit peu avant ce passage, il est expliqué que Khieu Samphan n'est pas la personne le plus haut placé, que ça les dirigeants soviétiques ne le savent pas. Et voilà ce qui est dit sur la position du Vietnam. Les relations entre Moscou et le Khmer Rouge ne pouvaient connaître de percée que si les principales personnalités parmi les dirigeants Khmer Rouge participaient au processus. However, les Vietnamiens faisaient de leur mieux pour empêcher tout contact direct entre Moscou et les autorités du Parti communiste du Kampuchea, car ils voulaient empêcher que quelqu'un d'autre ne s'empare du monopole des relations avec les Khmer Rouges dont ils jouissaient. Conscients que Moscou en viendrait inévitablement à nourrir des doutes sur l'intention réelle de Hanoï de contribuer à l'établissement de relations entre le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti communiste du Kampuchea, les autorités vietnamiennes n'avaient de cesse de déclarer que le Parti des travailleurs du Vietnam faisait tous les efforts possibles pour contribuer à l'essor des relations entre les camarades cambodgiens et soviétiques. Et ensuite, l'auteur cite le compte-rendu de cet entretien. So, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Does this refresh your memory? And do you remember having read either in the Soviet archives or elsewhere this statement? Just very quickly, unless I missed it, I don't think counsel gave the date of this, which was April 1974, so it wasn't DK authorities, but ce n'était pas les autorités du KD. Je l'indique à l'intention de l'expert. En tout cas en français, j'ai bien indiqué que c'était avril 1974. Ma question, c'est cette citation du document de votre collègue refresh your memory? Et première question. Well, that's my first question. Unfortunately, it does not refresh my memory. I had not seen that document. I'm not aware of that document. Je n'ai pas vu ce document. And Mr. Masiakov was doing some of his own work in the archives at the same time as he was helping me. M'aidant à faire aussi son propre travail aux archives, je regrette qu'il ne m'ait pas montré ce document. Donc ma question par rapport à mes questions précédentes relatives à la gestion de l'information pendant cette information de la guerre froide, des éventuelles alliances, de qui avait accès à qui, là c'est une illustration de la gestion diplomatique du Vietnam. Diplomacy. Est-ce que ce n'était pas inhérent à cette période-là, particulièrement par rapport à ce qui a pu être décrit sur la manière de gérer la diplomatie par les Vietnamiens, de conserver des informations, de dissimuler de l'information en fonction d'un agenda intérieur. Based on some kind of agenda that they had. Yes, I think that's a fair comment. Je pense que c'est une observation juste. En rapport également avec cette période-là, nous savons, et ça fait partie des éléments qui ont été discutés, qu'il y avait des conflits frontaliers en dehors des autres discussions qu'il y a pu avoir entre le Vietnam et le Kampuchea démocratique. Vous avez, dans le cadre de votre ouvrage, évoqué le passé tumultueux qu'il y a pu avoir entre le Vietnam et le Cambodge et les pays voisins. Ma question particulière est de savoir est-ce que vous avez fait des recherches précises sur cette question des problèmes frontaliers et notamment de la ligne Brévier, ou c'est quelque chose qui n'a pas du tout occupé vos recherches line in particular, or this is something that you did not concern yourself with at all? Uh,
No, this is not something that I concern myself with. Je ne m'y suis pas intéressé. De façon générale, là, speaking, je vais parler, so que here, ce soit les problèmes du Cambodge avec le Vietnam ou avec la Thaïlande, ces questions frontalières, de façon générale, n'étaient pas l'objet de vos recherches. Parce que tout à l'heure, vous avez été interrogé et on vous a soumis un certain nombre de télégrammes sur la question des problèmes frontaliers avec la Thaïlande et de télégrammes du Kampuchea démocratique. Vous confirmez que ce n'est pas ça non plus n'a pas été l'objet de vos recherches. These issues with Thailand were also not at part of your research. Maybe I expressed myself. Peut-être it's not that que they je were me not suis part exprimé. Of my research. Ce n'est they pas, were not ça n'est pas par, fait partie de mes recherches. The primary focus. Mais I didn't focus c'est que as much ça n'a pas été l'objet premier de mes recherches. Might have. Contrairement à d'autres, peut-être. Mais on ne peut pas affirmer que cela n'a pas fait partie de mes recherches. Donc, sur les questions frontalières, peut-être pour être plus précise, est-ce que vous avez, par exemple, dans le cadre de votre recherche, étudier quelles étaient les positions de la Thaïlande, Thailand's du Cambodge position, et du Vietnam Cambodia's sur and Vietnam's position with regard le découpage des cartes to sur how the area was mapped out, qui était hérité ou pas de la colonisation. C'est ma question from précise from the sur les conflits so that is frontaliers my specific question et with regard to the border, les discussions qui ont pu avoir and à with regard to the discussions that took place concerning these border problems. Look, I read about these issues, écoutez, but, j'ai lu des choses là-dessus, in terms of, mais what my focus was, it concernant wasn't l'objet my focus premier de mes because I recherches, that the border ce n'était pas celui-là. Were je pensais que les questions frontalières étaient l'expression de problèmes politiques plus profonds. Je pensais que les problèmes frontaliers n'étaient pas la cause des événements, mais plutôt des symptômes. Of deeper causes. Des symptômes de causes plus profondes. But I'm certainly well aware of mais the problems that je suis Cambodia bien has conscient with its border with Vietnam du problème and, que the, ressent le Cambodge par rapport à sa frontière avec so le Vietnam et aussi concernant le problème de la démarcation de la frontière, etc. Je ne sais pas si vous êtes familier d'un rapport qui avait été établi en 20 août 1975 par l'ambassade d'Australie à Hanoï, mais il semble que ces questions, la question de l'influence du Vietnam sur le Cambodge, est quelque chose qui a été vu par was something that was noted by numerous observers, and I'm referring to document E3/9723, ERN English, et le 0111869945 et le RN en Khmer 0131010869 and there is no French version. C'est le paragraphe 14. So I would like to focus on paragraph 14. So this is a memo that was addressed by the Australian Embassy aux affaires étrangères in Hanoi to the Minister of Foreign Affairs. Il résume and it sums up the issues that ce paragraphe 14 came up in the following way, and this is in paragraph 14. Beyond this, en outre, there are the suspected Vietnamese aspirations to form an Indo-Chinese federation, which are believed to be unacceptable to the Cambodians. De former une fédération Moreno says he believes the Vietnamese will make no strong move towards such a team until their application Moreno for United Nations and non-aligned group membership are out of the way. Mesure appuyée dans un tel sens. Locke also says these are the Vietnamese priorities. À l'ONU et au mouvement des but in saying this, he implicitly admits that these Vietnamese ambitions do exist. Mais ce and time is unlikely to make them more palatable to the Cambodians. Existent bel et bien, et qu'au fil du temps, il est probable qu'elles deviennent davantage acceptables aux yeux des Cambodgiens. Fin de citation.
ma question so est la suivante. Est-ce que dans le cadre de vos recherches, vous avez pu également constater que cette préoccupation et ce constat fait par l'ambassadeur australien à l'époque est quelque chose qui a pu être repris par d'autres ambassades est-ce que c'est quelque chose qui a été mentionné également dans les archives soviétiques que vous avez archives that you consulted? I think there was a discussion hier about an excerpt from my book where d'un I extrait de mon livre où j'ai cité les autorités soviétiques évoquant une fédération indochinoise en 1963. Mais hormis cela, je n'ai trouvé aucune information concernant la fédération indochinoise auprès d'autres ambassades d'autres pays. Mm-hmm. Pour revenir à des parties de votre ouvrage, vous avez expliqué les différentes étapes du comportement du Vietnam dans Vietnam's la gestion du conflit avec le Kampuchea démocratique. Of its conflict with Democratic vous avez notamment Kampuchea. Évoqué avec Monsieur le Co-procureur la question de l'évolution du langage. Hein, du Kampuchea démocratique, la question des autorités de Phnom Penh et enfin à la clique Pol Pot Yingsary. Democratic Kampuchea and the Pol Pot Yingsary clique. On appelle ça propagande aujourd'hui, les gens disent éléments de langage. Ma question est de savoir est-ce que c'est quelque chose qui était courant aussi à la fois dans la guerre froide et à la fois dans les pays communistes cette utilisation d'éléments de langage différents lorsqu'il y a des évolutions d'alliances et des évolutions politiques dans les relations between countries. Yes, it was. Oui. You would find, for example, par exemple, Soviet Union on peut trouver des descriptions soviétiques concernant le gouvernement yougoslave avant et après que Tito eut rompu avec l'Union soviétique en 1948. Donc oui, l'emploi des termes est important pour saisir les comportements. Dans votre ouvrage, à la page 105 du document E3/7338, ERN en anglais, ça commence en fin de page, 01001772, vous parlez du début 78, et voilà ce que vous dites en anglais. Within the The first 4 months of 78, the Vietnamese have created a secret network of camps for the purpose of building a liberation army of Cambodians from among refugees and other civilians brought from Cambodia to Vietnam. Vous dites, and you say, as well. Cette fois-ci, c'est à la page 109, ERN. 01001776. Et là, vous évoquez la réunion de septembre 78 entre les douanes et l'ambassadeur russe. Et vous dites ceci. Je ne sais plus si j'ai donné le RN 01001776. Je cite en anglais. And I will quote in English again. Le douane also spoke of the efforts that Vietnam had undertaken in promoting a Cambodian resistance. He claimed that there were 9 battalions of Khmer trained by the Vietnamese operating at that time. There were also to be 20 leaders of provincial districts
coming out against the Phnom Penh regime and sympathizing with Vietnam. Des districts provinciaux fin de citation. End of quote. Se retourner contre le régime de Phnom Penh et qui allait prendre parti pour le Vietnam. Ma question est de savoir, on comprend que c'est le résultat d'une discussion entre Le Duan et l'ambassadeur russe. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez eu, dans le cadre de vos recherches, des détails sur cette question de 9 bataillons et de qui étaient les 20 leaders de districts provinciaux qui ont été ralliés à la cause du Vietnam. The Vietnamese cause. No, I don't have any more details. Non, had I je had n'ai pas details, de détails supplémentaires. Si je les avais eus, je les aurais incorporés, si pas dans le corps du texte, au moins en note de bas de page. Vous avez évoqué également dans votre ouvrage ce rapprochement qu'il y a eu entre le Vietnam et l'Union soviétique après les premières amours du Vietnam avec la Chine, rapprochement qui avait été vu de la fin de guerre de façon très négative par la Chine qui estimait que c'était de l'ingratitude de la part des Vietnamiens. Et vous dites dans votre ouvrage que des discussions qui ont ensuite abouti à un traité d'amitié entre Moscou et Hanoï a eu lieu en 1978. Et vous dites ceci, je vais vous citer toujours en anglais, donc c'est l'ERN 01001775. Through not openly discussed, one purpose of the meeting was for the Vietnamese to ensure Soviet political and military backing in any future escalation, or at least to provide a Soviet insurance policy against possible Chinese military retaliation. The Soviets had no intention of going to war with China over Vietnam and Cambodia, but naturally did not reveal that view. Ou au moins de veiller but a treaty of friendship and cooperation will be publicly signed in Moscow in November. De fournir une politique d'assurance soviétique contre une contre d'éventuelles mesures de représailles militaires de la part des Chinois. Fin de citation. Cette volonté de se rapprocher de come l'Union closer soviétique to the Soviet Union, à l'époque contre le géant chinois révèle giant against the Chinese un calcul stratégique then, de la part du Vietnam. Reveals some kind est-ce of strategic calculation on the part of ligne Vietnam. De rapprochement so, avec with regard to this desire to come closer to the l'Union Soviet soviétique, Union, vous avez eu dans le cadre de votre in vos your recherches eu des éléments sur l'offensive diplomatique, qu'a pu avoir le Vietnam, au moment où elle envisageait when it was considering de rentrer et d'envahir le Cambodge, et quelles étaient les éventuelles alliances diplomatiques qu'il y a eu à ce moment, c'est-à-dire fin 77 possible diplomatic alliances that took place then, that is to say at the end of 1977 and the beginning of 1978, or throughout the year 1978, corrects the interpreter. I'm not. I did not go into the diplomatic offensive. Je n'ai pas examiné l'offensive diplomatique. Mais je pense que les Vietnamiens considéraient que s'ils voulaient atteindre leurs objectifs au Cambodge, la meilleure solution était d'obtenir le soutien du bloc soviétique.
l'ensemble des pays contrôlés par cette union, y compris en Europe de l'Est. Je connais la campagne de propagande vietnamienne de cette époque, mais je ne suis pas au courant des efforts diplomatiques auprès de pays n'appartenant pas à ce bloc. Toutefois, je pense que les Vietnamiens ont bel et bien tenté dans leur propagande d'influencer l'opinion publique internationale, et ce, contre les autorités du Kampuchea démocratique. Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30. Est-ce que vous voulez marquer la pause maintenant, parce que je dois aborder d'autres documents. Go on break now. I'll move into another line of questioning or another documents when we resume. Le Président, Maître Visset, de combien de temps avez-vous encore besoin? J'aurais besoin, je pense, de tout le temps qui me reste imparti. Dans mon calcul, il me reste 25 minutes. Je sais que c'est un peu comme les comptes de manifestation, c'est jamais le même calcul de la Chambre et de mon côté, mais dans mon calcul, il me reste 25 minutes et j'aurais pas besoin de moins, Monsieur le Président. 25 minutes, and no less, and that is the time that I still have left, Mr. President. Court officer, please assist the expert at the waiting room reserved for experts and witnesses during the break time. And inviting back into the courtroom at 1:30. Security personnel, you instructed to take you some pawn to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon. Before 1:30, the court is now in recess. Suspension.